want somebody who can sound some kind of better than that. I want to see somebody come to your hand. Hallelujah. Hallelujah. Elle s'appelle la prophétesse Brigitte Nyoleba. Cette femme de Dieu que nous avons eu l'honneur de suivre ce samedi 29 avril 2017 à 7511 Holly Avenue, commune de Tacoma Park dans l'état de Maryland aux États-Unis, est originaire de la Côte d'Ivoire. Elle dirige International Ministry of Prayer, basée à Fredericksburg dans l'état de Virginie, toujours aux États-Unis. C'est là-bas qu'elle exerce son ministère axé sur les prophéties qu'elle a reçues par révélation après avoir été longtemps malade et paralysée, puis guérie en présence de l'Esprit Saint dans le saint nom de Jésus-Christ à qui elle a promis le service si elle recouvrait sa guérison. C'est donc cette promesse qu'elle tient désormais en parcourant pays et continents pour rendre témoignage en compagnie de son époux, Paul Nyoleba, qui lui sert d'interprète en français, puisque la prophétesse elle-même ressent beaucoup plus de confort à s'exprimer en anglais. Invitée par le pasteur Sammy Colley de Living of Captive Church, la prophétesse Brigitte Nyoleba doit donner ce soir un enseignement biblique sur l'identité. Connais ton identité. Connais ton identité en tant que chrétien. Et oui, notre compatriote, dévouée servante de l'Éternel, devant un auditoire composé de fidèles de l'Église haute, a invité le peuple de Dieu à mieux connaître son identité et à se l'approprier. Elle nous a donné la substance de son message de ce soir, juste avant le début de la cérémonie. Brigitte Nyoleba, je suis prophétesse de International Ministry of Prayer. Et aujourd'hui, on a été invité aussi à Maryland parce qu'on va parler de... Il est temps pour que un chrétien connaisse son identité. Voilà pourquoi je suis venue aujourd'hui au moins pour parler à mes soeurs et à mes frères pour qu'ils connaissent leur identité parce que beaucoup de gens se donnent à Dieu, ne savent pas qui ils sont sur cette terre. Alors moi, je suis venue pour leur dire que c'est Dieu qui les a fait venir ici, ils n'ont pas demandé d'être ici et c'est Dieu qui les a choisis. Et encore, ce que Dieu a fait, Dieu les a ordonnés et Dieu les a mis ensemble. Et ils sont à Jordan. Et encore, Dieu les a sanctifiés. Tu sais, quand Dieu te sanctifie, cela ne veut pas dire que c'est quand tu t'es donné à Dieu. Non, c'est depuis que tu étais dans le ventre de ta maman que Dieu t'a fait sanctifier. Et aussi, quand Dieu t'a sanctifié, ça veut dire que quelles que soient les attaques qui viennent de North, qui viennent de ça, tu viens de l'ouest, tu viens de l'east, ça ne pourra jamais t'atteindre. Donc Dieu nous a préparé pour ça. Et c'est pourquoi souvent, vous voyez, on appelle during the English period, because I feel comfortable speaking that. So we are here today because I want people to know their identity. Some people, they don't know their identity, so sometimes they don't know who they are. So today my lesson is about know your identity in this earth. So instead of you being terrified by devil, you're going to be, you the one that should have terrified devil. I want people to know that
When a God casts out the demon from the heaven, he chose us. So before he brought us here, he ordained us. He pointed at us. He set us apart. And we are agenda. He also ordained us. Not just that, he sanctified us. You know when God sanctified you, no weapon that comes from north, south, east, west, that from a church shall prosper. Understand, people don't know who they are. Sometimes they want to follow other people. Do you ever ask yourself why your fingerprint is different than other people? It's because God ordained us different. And it doesn't make the copy of the human being. We are all unique, all different. That's why when Joshua, in the age of 8, he became a king. When we're talking about David, he was like 12 to 13. Then when we're talking about Jeremiah himself, through his mom's womb, God knew him before he was born. So today, this is my lesson, just to give you a hope that please, don't be desperate. If a God, you haven't make your dream come true, it's because God has his own time. 100 times for God is one day. And as you know, Abraham, he was almost 100 years old. When God changed his identity, also his wife, Sarah, was 90 years old. So nothing is never late. As you know, Moses, he was 80 years old. So I just want to throw that lesson so people will know that we came here because God brought her here. We came in a mission and we are strong. Do not let the devil terrify us. Sometimes the reason why some people are lost because they are confused. They like what other people do. Set up a focus in yourself and ask your God why I came here for and what I have to do. You want to copy from other people, and that's why some people are lost and they don't know who they are and they cannot achieve anything because they are follower. And me, as I know God brought me here, so I already paid for my price. God break me and he rebuke me back. So brothers and sisters, everything you're going through, God is just training you to be prepared to serve him so you can have a testimony, so people can listen to your testimony and get delivered from your testimony. So today, that's the lesson that I will give, and I hope that will help other people that are listening to this. In the International Ministry of Prayer, we are located in Fredericksburg, Virginia, 181 King Highway. Our events, we have the first week of the month, we have an overnight prayer that we start from 8 p.m. sometime to midnight to 1 o'clock in the morning. And every Wednesday, we go to do all, like a training, like a churches does. And we also have a prayer line that we do Tuesday and Thursday, and we also have a service that going on every Sunday. Today I came here because I was invited. That's why I came in the Silver Spring. So that's our program. Yeah, the one thing I want to tell the children of the God, Jesus is our master, and they have to realize that Jesus came here for us, and when he came as a spirit, hallelujah, and after the spirit, he became a flesh like a human being as us, and when he was crucified, he came back as a spirit, and that's our master. So when you know somebody that came in a spirit, be in a flesh, and when he was crucified, he came back by spirit. Look at those, that's very strong. We have to know who we believe in. We have to know who we are praying to, so we can be sure about that. We are the one. We are the one that God left behind. He did not finish the work, so we are here to finish the work of the God. So I just want to throw that message out there that we have to be strong so we can do what God brought her here for. We came in a mission to do the work of the God. Hallelujah. That's the message that I want to tell each of, people. A
l'heure indiquée pour le début de son intervention, la prophétesse Brigitte Nyoleba sera majestueusement introduite par le pasteur Sami Koli, son hôte, à qui elle rendra à son tour les honneurs mérités puisqu'ayant été témoin du miracle que Dieu a opéré dans sa vie. Amen. The minister who ministered the word today is the founder of the International Ministry of Prayer in Fredericksburg, Virginia. And celui qui va diriger la prière de ce soir vient de l'église à Fredericksburg, Virginie. International Ministry of Prayer. L'église internationale de prière. Since it's been founded since 1998. Qui a été construit depuis 98. Amen. And is a woman of God. C'est une femme de Dieu. That's been used so powerfully. Qui a été utilisée avec beaucoup de puissance. In many ways. Dans plusieurs façons. For the prophetic. Pour le prophétique. Deliverance. La délivrance. And the word. Et la parole. And she's originally from Ivory Coast. Elle vient de la Côte d'Ivoire. So we're gonna stand up and welcome. Donc nous allons lever et recevoir. Prophetessa Brigitte Nyoleba. I'm happy to be here. Hallelujah. Amen. I'm not used to be a stage by myself. Sometimes I have somebody that translates for me. But this is new, but God is in control. Hallelujah. Amen. Usually it's my husband that translates in French for me. And also, last time Nadia helped me out. And also, my son-in-law. Hallelujah. Amen. In his church. And I also thank everybody, the member here and his staff. Merci tout un chacun ici. Hallelujah. Amen. I'm happy to be here. Je suis content d'être ici. And I'm going to tell you who Pastor Sami is. Et je voudrais vous dire qui est Pasteur Sami. A lot of people don't know him. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. As I know him. Tel que je le connais. Hallelujah. Amen. I know why I'm saying that. Je sais pourquoi je le dis. Glory. Gloire à Dieu. I want to tell you why I'm serving a God. Je voudrais vous dire pourquoi je sers le Seigneur. And so people can know why I'm standing here. Pour qu'on sache pourquoi. Because of God. Parce que Dieu had to break me. M'a cassé. Before. Avant que. I had to pay for the price. J'ai payé le prix. For me to stand here. Pour être ici ce soir. I have so many witnesses in this room. J'ai beaucoup de témoins that saw me, qui m'ont vu that I was suffering. Quand je souffrais. I met Pastor Sami around 2002. J'ai rencontré Pasteur Sami dans les années 2002. He was only doing the deliverance. Il faisait son la délivrance. On a Bethel. À l'église Bethel. That's why I met him. C'est là que je l'ai rencontré. Pastor Sami, he's the one. Pastor Sami est celui that prayed for me. Qui a prié pour moi. Alléluia. Amen.
Pastor Sammy. Pastor Sammy. Have to go all the way down to Woodbridge. Il est allé jusqu'à Woodbridge. Just to pray for me. Pour prier pour moi. When I was suffering. Quand je souffrais. Right, Pastor Sammy? I don't forget. When you do good to me, quand tu me fais du bien, je n'oublie pas. Alléluia. Amen. And Maman Germaine, I don't know if she's still here. Maman Germaine aussi, je ne sais pas si elle est encore ici. So those are the people. Ça, ce sont les personnes that pray for me. Qui ont prié pour moi. When I was suffering. Quand je souffrais. So even though when I went to Africa. Quand je suis allé en Afrique, I had a witness there too. J'ai des témoins là-bas aussi. And today, et aujourd'hui, Pastor Sammy Church, l'église de Pastor Sammy, he's the one that prayed for me too. Qui a prié pour moi aussi. He did a deliverance for me. Il a fait la délivrance pour moi. So if you see me stand here today, donc quand vous me voyez debout ici ce soir, it's because of Pastor Sammy. C'est grâce à Pastor Sammy qu'on l'applaudisse. Très fort. Au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Pastor Sammy didn't have a car that time. Pastor Sammy n'avait pas de voiture à ce but moment. But he gotta go to Woodbridge. Mais il est allé jusqu'à Woodbridge. And pray for me. Pour prier pour moi. That's why God connect us. C'est comme ça que le Seigneur nous a connectés. Alléluia. Amen. I was paralyzed for 6 years. J'étais paralysé pendant 6 ans. I couldn't use my hand. Je ne pouvais utiliser mes mains. I lost my vocal. J'ai perdu ma voix. I couldn't speak. Je ne pouvais parler. I have to eat the food that people my food had to be blend like liquid. Ma nourriture devait être broyée comme un liquide. Then I have to drink that. Avant que je ne boive ça. Alléluia. Amen. I hope my daughter Michelle was here. J'espère que ma fille Michelle soit là. She put me time out. Elle m'a mis un disons time out. And she was 12 years old. Elle avait 12 ans. She wanted to go to the mall. Elle voulait aller au mall. To shop. Pour faire les achats. I could not drive. Je ne pouvais conduire. So when she put me in the bathroom. Et quand elle m'a mis dans la toilette. I was waiting for her to come dress. J'attendais qu'elle vienne pour me m'habiller. So I can come back to sit down in the living room. Elle est venue s'asseoir dans le dining room. So I can go to sit down back in the living room. Pourquoi j'aille m'asseoir au salon? She said, "You are time out today." Elle dit, toi, je t'ai punition. From 8 a.m. à partir de 8 heures du matin. To 5 p.m. jusqu'à 5 heures du soir. For my husband to come home. Jusqu'à ce que mon mari vienne du travail. And lift me up from the toilet. Et me soulève des toilettes. And dress me. Et m'habille. And put me back in the chair. Et me remettre dans la chaise. Hallelujah. Amen. I'm not telling this to just make some story up. Je dis pas ceci pour raconter seulement des histoires. It's what I went through. C'est ce que j'ai traversé. Hallelujah. Amen. I went to Africa. Je suis allé en Afrique. I had to pay 3 tickets. J'ai payé 3 billets d'avion. To let me down. Pour me coucher dans l'avion. Send me to Africa. Et en Afrique. I spent 3 months there. J'ai passé 3 mois là-bas. Different churches and different churches. D'église en église. I refused to go see the dodo. J'ai refusé d'aller voir le charlatan. Because when I was on my cross. Parce que quand j'étais sur ma croix. I did not want to share that with demons. Je n'ai pas voulu partager ça avec because le démon. Because I know I was going to come out from my cross. Parce que je savais que je devrais sortir de là. With my crown. Avec ma couronne. Hallelujah. Amen. African pastors, they are very rude. Les pasteurs africains sont très méchants. They shave my hair like a man. Ils m'ont rasé comme un homme. They beat me like a dog. Ils m'ont frappé comme un chien. They say that's the way we have to do the deliverance. Ils disent c'est comme ça on fait la délivrance ici. They threw up my medication. Ils ont jeté mes médicaments. I don't need a medication. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin de médicaments. They put me in a fasting for 3 days. Ils m'ont fait jeûner pendant 3 jours. Not eating. Sans manger. Not drinking. Sans boire. Without any medication. Sans médicaments. I wake up blind. J'étais devenu aveugle. I couldn't see. Je ne pouvais voir. Je ne I pouvais say, voir. I cannot see. Je leur ai dit je ne vois pas. They said, oh, that means
it's time for you to take your healing. Il dit que c'est le moment pour que tu guérisses. I said, call my brother. J'ai dit, appelle mon frère. When my brother came, et il est arrivé, mon frère. I said, get me out of here. Il dit, sors-moi d'ici. Because I see why people die. Et je vois pourquoi les gens meurent ici. If the pastor have to put you in a dry fasting for 3 days for somebody that's sick. Le pasteur doit te faire jeûner pendant 3 jours pour quelqu'un qui est malade, sans manger. This is not God. Ça, c'est pas Dieu. My brother took me to different churches. Mon frère m'a amené dans deux églises. I went to 3 different churches. J'ai traversé 3 églises. When they saw me, quand ils m'ont vu, he said, oh, this is she's dead. Ils ont dit, oh, celle-là, elle est déjà morte. Look at her attestant. Voilà ses attestants là-bas. It's hanging over there. C'est aussi le. Her home is hanging over here. Alléluia. I told the pastor, j'ai dit au pasteur, I'm going back to US. Je repars aux États-Unis. If I want to die, si je dois mourir, I want to die where my husband je vais mourir auprès de mon mari, where's my children auprès de mes enfants. And I left and I came. Et je suis revenu. I could not hold my purse. Je ne pouvais même pas attraper I could not sac. Hold one penny. Même un penny, je ne pouvais pas l'attraper. Alléluia. Amen. When I came to airport, quand je suis arrivé à l'aéroport, my husband had to tell his cousin to come pick me up. Il a dit à son cousin de venir me prendre. I was looking like a skeleton. Je ressemblais à un squelette. I came back home. Je suis revenu à la maison. We went to different churches. On est encore allé dans deux églises. In the US. Aux États-Unis. I was like a maro in a church. J'étais comme le maro, il me prenait pour comme présentation. Alléluia. Hey. Amen. But let me tell you something. Laisse-moi vous dire, s'il vous plaît. I was going to have a surgery. Je devrais avoir des opérations. On my neck. Au cou. On my arms. Dans les bras. On my back. Au dos. How many surgeries I have to combien have? D'opérations? My husband walked home for 5 years. Mon mari a traversé la maison pendant 5 ans. My mom was with me. Ma maman était à la maison. Alléluia. Amen. I have to go to the doctor Monday to Friday. Je devrais aller voir le docteur. Chaque jour. Saturday, I have to be in the emergency room. Et le week-end, il devra être à l'urgence. For 6 years. Pendant 6 ans. But one day. Mais un seul jour a suffi. Rikaraboko shenge riakaraboshe. Alléluia. The spirit of the God appeared in my bedroom. L'esprit du Seigneur a appelé dans ma chambre. Three spirits. 3 esprits. Then I was laying on my bed. J'étais couché sur mon lit. Then I tried to figure out your face. J'essayais de reconnaître leur visage. But I could not figure out your face. Mais je ne pouvais le faire. But one thing that happened. Mais une chose passée. I was standing by them. J'étais arrêté auprès d'eux. And I could see my body laying on the bed. Et je voyais mon corps. And I could see my husband walking on the computer. Et je voyais mon mari traverser le. And I heard two voices. Et j'ai entendu deux voix. That voice tell me exactly what I was going through. La voix m'a dit de quoi je souffrais. Oh, rabakaraboshe. Then when I wake up, alors quand je me suis I retourné, told my husband, "Do you saw those three people?" J'ai demandé à mon mari s'il a vu les trois personnes là. He said no. Il a dit non. I said, "But I came out from my bed and I was standing by them." J'ai dit que j'étais arrêté auprès d'eux. But I was trying to figure out their face, but I could not see who those people was. J'essayais de les reconnaître, mais je ne pouvais le faire. But I think it's the spirit of God. Je pense que c'est l'esprit du Seigneur. My husband said, "This is it." Il a dit, ah là, ça va pas. I know my wife; she been sick for so long. Je sais que ma femme malade pendant longtemps. Maybe this is not a good news. C'est pas une bonne chose. I said, "Call my mother." Et dit, appelle maman. I tell the same thing to my mom. J'ai dit la même chose à ma maman. And when I told that to my mother, et quand je lui ai dit ça, hallelujah. Amen. My mother started crying. Elle a commencé à pleurer. She said, "This is it." Elle a dit, c'est fini. I said, "Mother." Elle dit, maman. Do not cry. Ne pleure pas. I said, the spirit of God. Parce que j'ai vu les esprits. I said, my healing will take place. Ma guérison va commencer. Let's go see my doctor. Allons voir le docteur. And I will talk to her. Et je vais lui parler. Exactly what my God tell me to do. Et je vais lui dire ce que le Seigneur m'a dit. Amen. Amen. When my daughter saw me, quand le docteur m'a vu, she looked at me. Elle m'a regardé. Look at my husband. Elle a regardé mon mari. She think I was losing my mind. Elle a pensé que j'avais perdu la tête. I said, I'm not losing my mind. Il dit, je ne perds pas la tête. I need this medication, but God told me exactly what I need to take. Le Seigneur m'a dit que j'ai besoin de tel médicament. Sometimes when people say, "Don't take your medication," you are here. I beg you, do you have a strong faith? Quand on dit quelquefois ne prenez pas vos médicaments, vous êtes guéri, vous allez guérir? Non. Please. You gotta make sure you have a faith like Jesus. Il faut se rendre compte que tu as une croyance comme Jésus. Alléluia. Amen. Yes.
Make sure yourself, your faith is there. Rassure-toi que ta croyance. Hallelujah. How to go get that medication? Je suis allé prendre ces médicaments. God told me where to go to do my physical Dieu therapy. Dieu m'a dit où je devrais aller pour la thérapie. I said, my husband, let's go. God show me where to go. Allons-y. I saw the lady. J'ai vu la femme. I said, she said, I will heal you. Elle a dit, je vais te guérir. I did a physical therapy for 3 years. J'ai fait la thérapie pendant 3 ans. I lost my grip. I couldn't hold anything. Je ne pouvais attraper quelque chose. But when that lady touched me, et quand elle m'a touché, 3 months later, après 3 mois, that was it. J'étais guéri. Alléluia, mon Seigneur. I said, if you heal me, si tu me guéris, I will serve you. Je te sers. So that's what I'm doing right voilà now. Pourquoi je le sers. Because aujourd'hui. I promised him parce que je lui ai promis that I was going to serve que him. Le servir. So that's why I'm serving voilà my God. Je le sers aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Hey. Amen. That's why I'm serving a God. Voilà pourquoi je sers le Seigneur. Sometimes people say, wow, Brigitte, they say she's a prophetess. Quelquefois, les gens disent, mais Brigitte, elle est prophétesse. Those people don't know the story of Jeremiah. Ces gens ne connaissent pas l'histoire de Jérémie. Alléluia. Amen. God knew before I was born. Dieu savait avant que je ne naisse. He sanctified me to be a prophetess to the nation. Oh, hallelujah. Amen. Today our lesson. Aujourd'hui notre leçon. We have to know. Nous devons savoir our identity. Notre identité. As a Christian. En tant que chrétien. Why? Pourquoi? We are here. Nous sommes ici. Who we are? Qui sommes-nous? We have to know that. On doit le savoir ce soir. So when you know who you are. Quand tu sais qui tu es. And you don't have to worry. Tu n'as pas besoin de te lamenter. And when you know who you are. Quand tu sais qui tu es. And you're not going to be a follower. Tu ne peux pas être suiveur. And when you know who you are. Quand tu sais qui tu es. And you want to be a leader. Tu seras un leader. Hallelujah. Amen. Glory. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Can I hear amen? Amen. Say today is my day. Aujourd'hui est mon jour. Aujourd'hui, it is my day. C'est mon jour. I will know who I am. Je saurai qui je suis. It's God that made me to come here. C'est le Seigneur qui m'a amené sur cette terre. I did not ask to come j'ai here. J'ai pas demandé d'être ici. So I want to tell you. Et je voudrais vous dire who you are. Qui vous êtes. Alléluia. Amen. So you don't have to be a follower. Vous ne pas que vous soyez des suiveurs. But you can be a leader. Que vous soyez des leaders. It doesn't matter how old are you. Even in a baby. Même les bébés. God sanctified us when we were in our mom room. Alléluia. Dans le ventre de maman. Thank you, Jesus. Amen. I'm going to talking about Jeremiah 1 verse 5. Jérémie 1 verset 5. 1 verset 5. Répétez après moi, s'il vous plaît. Do you saw it? Do you have it? Vous l'avez vu dans vos bibles? God said, before. Avant que. I said, when your time will come. I said, God will search you. Le Seigneur va te chercher. And your identity will change. Ton identité va changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. That's why we have David. Voilà pourquoi nous avons David. That's one. Ça c'est un. Woo! And David, et David, he ruled 3 countries. Il a conduit pendant. He started ruling the country of age 30 and. Depuis l'âge de 30. He's the one that killed Goliath. C'est lui qui a tué le Goliath. Alléluia. Hey. Amen. The reason why he killed the Goliath. Pour laquelle il a tué le Goliath. Because God ordained him. Parce que le Seigneur and God chose him. Le Seigneur l'a choisi. When he was in his mom tummy. Alléluia. Hey. De sa maman. I want to know who you are. Je veux savoir qui vous êtes. Please, from now on. À partir de maintenant. Don't think that you are tired. Ne dites pas que tu es fatigué. No. Jamais. God has His own time to choose le you. Le Seigneur a son seul jour pour te choisir. I say God has His own time to choose you. Le Seigneur a son propre temps pour te choisir. Don't be desperate. Ne sois pas désespéré. Désespéré, pardon. Alléluia. Amen. Oh, Rabbi Kere, are you ready? Êtes-vous prêt? Oh, I'm so ready today. Je suis prêt I'm happy to be here. Et je suis content d'être ici ce soir. Special Pastor Sammy Church.
Merci. Pastor Glory Sammy. Be to God. Gloire à toi. I like Pastor Sammy so much. J'aime beaucoup Pastor Sammy. He's very humble man. Il est très humble. Amen. That's what God likes. C'est ce que le Seigneur aime. Amen. Hallelujah. Amen. Now I finish Samuel. And I'm going to talking about Jeremiah himself. Je parle de Jérémie lui-même. Oh, sad story. Une histoire triste. When God chose Jeremiah, quand le Seigneur l'a choisi, he didn't want to serve God. Il ne voulait pas servir le Seigneur. He said, Father, I am too young. Il dit, Papa, je suis trop jeune. I'm just a child. Je suis seulement un enfant. Hallelujah. Eh? Amen. But let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose, s'il vous plaît. Hallelujah. Amen. God said to Jeremiah, le Seigneur lui a dit, Je te connaissais. When you was in your mom home, pendant que tu étais dans le ventre de maman, I chose you. Je t'ai choisi. I set you apart. Je t'ai mis de côté. I ordain you. Je t'ai ordonné. You are a agenda. You came in a mission. Une mission. I sanctified you. Je t'ai sanctifié. To be a prophet. Pour être un prophète. To the nation. Des nations. Jeremiah. Jeremiah. You're not going nowhere. Tu vas nowhere, Jérémie. Alléluia. Amen. Jeremiah said no. Il a dit non. I can't. Je peux pas. I'm just a child. Je suis seulement un enfant. God said. Le Seigneur a dit. You are not the child. Stop saying I'm a child. Tu n'es pas un enfant. Ne dis pas ça. You know, brother and sister, let me. Chers frères et sœurs. Sometimes God talk to you. Quelquefois le Seigneur te parle. But because you don't trust yourself, parce que tu ne te fais pas confiance, you just deny that like Jeremiah. Tu nies cela comme Jérémie. Alléluia. Hey. Amen. God talk to you sometimes. Le Seigneur te parle quelquefois. But because you don't believe yourself, mais parce que tu ne fais pas confiance en toi, and you don't know who you are, et tu sais pas qui tu es, and you say, I don't know if this is a God. Je me dis, mais tu te dis, pourquoi? Je sais pas si ça c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. I just want to tell you from today. Je te dis simplement. If your God talks. Si le Seigneur te parle, don't deny him. Faut pas nier cela. Because he chose you. Parce qu'il t'a choisi. To use you. Pour t'utiliser. Hallelujah. Amen. Jeremiah keep running from God. Jérémie fuyait le Seigneur. God said, I'm not leaving you alone. Il dit, j'ai pas fini avec toi. Because I know you before you were born. Je te connaissais avant que tu ne naisses. Hallelujah. Amen. You see, God not going to leave you alone. Le Seigneur ne va pas vous laisser tranquille. Hallelujah. Amen. Till your time come. Tant que ton temps n'est pas arrivé. I heard some people. Il y en a qui disent. I'm scared of the Holy Spirit. J'ai peur de l'Esprit, du Saint-Esprit. You know when I do perseverance prayer? Vous savez quand je fais la prière de persévérance? I'm scared. J'ai peur. I said, but why are you scared for? J'ai dit, mais pourquoi tu as peur? Well, I feel like something. I feel the presence of somebody. Je vois la présence de quelqu'un. I said, but so why you like a prophecy then? Mais pourquoi tu aimes les prophéties alors? Because your God. Parce que ton Seigneur. Trying to fight because you have to feel the Holy Ghost. Tu dois le sentir. And the Holy Ghost. Le Saint-Esprit. Of course, is more stronger than you, more stronger than the flesh. Est plus fort que la chair. Why you are scared? Pourquoi tu as peur? Oh, now when I have a bad dream. Parce que quand j'ai les mauvais rêves. You know, I'm not ready for this. Je suis pas prêt pour ça. Sometimes you deny yourself. Quelquefois tu le nies. Because even though in a church, quelquefois à l'église, you can have your pastor. Tu peux demander ton pasteur. But if God want to use you, mais si le Seigneur God can use you right there. Dieu veut t'utiliser sur place. In your church, dans ton église, stop denying in God. Ça le nier. Sometimes, quelquefois, when Pastor Sammy, quand Pastor Sammy do the deliverance, fait la délivrance, and God talk to you, et le Seigneur vous parle. Start to Pastor Sammy and say, excuse me, Papa. Faut dire, Papa. Can I say something? Je peux dire quelque chose? Open your mouth. Ouvre ta bouche. If he say okay, si il dit ok, you say, let me tell you this first. Tu dis, je vais te dire quelque chose. You can tell him first. Tu peux lui dire. And he can say, go for it. Et dit, vas-y. Right, Pastor Sammy. Amen. Alleluia. Hey. Amen. The reason why I'm saying that. Pourquoi je le dis? Pastor Sammy sitting down there. Parce que Pastor Sammy, and his wife sitting down there. Sa femme là, the first day that I came to Pastor Sammy church for the deliverance. Because I was sick. Parce que j'étais malade. When he prayed on me. Quand il a prié sur moi. And I talked to the lady that brought me there. Et je dis à la femme qui m'a amené. I said, when between all those people. Là, j'ai dit, mais parmi tous ces gens-là, this guy touched me. Ce gars-là m'a touché. I felt on peace. Je l'ai senti, j'ai senti la paix. She said, but that's
That's our leader. Elle a dit ça, c'est notre guide. Oh, I said, God really use him. Et dit le Seigneur l'utilise, monsieur. When the other person touched me, quand d'autres personnes me touchent, I call the person outside. J'appelle la personne derrière. And I said, please don't touch me. Et je lui dis, ne me touche pas. Because I see stuff. Parce que je vois des choses. I don't want you to touch me. Je ne veux pas que tu me touches. He said, what stuff? Il dit quoi? I tell him the truth. Je lui dis la vérité. He said, thank you. Il dit merci. I said, you cannot pray for me. Et tu ne veux pas prier pour moi. But that time I was sick. Mais quand j'étais malade. But God was using me too. Le Seigneur m'utilisait aussi. When they got together to pray for me. Quand ils sont mis ensemble pour prier pour moi. God said, Bridget. Seigneur a dit, I wanted you to give him the good news. Je lui ai dit une bonne nouvelle. I said, I don't know, but I want God telling me that his wife, she's pregnant for a girl. Et je lui ai dit, le Seigneur me dit que sa femme est enceinte d'une fille. Everybody's screaming, wow. Les gens ne vont pas crier. Because when you are God's person, parce que quand tu es quelqu'un, and when God use you, quand le Seigneur t'utilise, when the spirit of God got together, quand les esprits se mettent they want to talk. Ils veulent parler. Hallelujah. Hey. Amen. And somebody said, really? Yeah, but I never met her, but I knew she was pregnant for girls. Je l'avais pas vue, mais ils savaient qu'elle était enceinte pour. But they came to pray for me. Ils sont venus prier pour moi. But I know that who has a spirit, Holy mais, Spirit on him. Et je sais qui avait l'esprit. And that was him. Et c'était lui. Hallelujah. Hey. Amen. You see, when God wants to use you, quand le Seigneur veut t'utiliser, listen. Écoute. Like Abraham. Comme Abraham. If Abraham did not listen, si, il n'avait pas écouté, he was going to kill his son Isaac. He's the only son Isaac. Son seul fils Isaac. Some people don't want to listen to God. Il y a qui veulent pas écouter le Seigneur. Hallelujah. Hey. Amen. Hallelujah. Hey. Amen. Now let me talk about the older people. Je parlais des vieux. If there is anybody in this room, si y a quelqu'un ici, that's 80 years old, qui a 80 ans, please can't you stand up? It's not a shame. But if it's not, you don't have to. Mais si c'est 80, pas le cas, c'est pas grave. Oh, okay, so you still young then. Hallelujah. Hey. Il est encore les jeunes. The reason why I'm saying that, pourquoi je le dis, it's never late. Il n'est jamais tard. Because Moïse, parce que Moïse, excuse me, c'est ça, Moses. Moses was Moïse, 80 years old. Moïse avait 80 ans. When God called him, quand le Seigneur l'a appelé. I said he was 80 years old. Il avait 80 ans. When God called quand him, le Seigneur l'a appelé. His identity changed son that day. Changé, he was not the same person. Il n'était plus la même He's personne. The one that wrote the Ten Commandments. Celui qui a écrit les 10 commandements. Hallelujah. Amen. Glory. Gloire à Dieu. So if you're not 80 years old yet, même si tu n'as pas 80 ans. It's not late. Il n'est jamais tard. I say it's not late. Il n'est jamais tard. Your God will use you. Le Seigneur va t'utiliser. Hallelujah. Amen. Glory. Gloire à Dieu. But let me tell you about Moses. Je vais vous parler de Moïse. He married someone when he was 40 years old. Il a tué quelqu'un quand il avait 40. Il avait 40 ans. Because the family where he grew up. Parce que la famille où il a grandi. But the one thing that I like about God, même chose que j'aime avec le Seigneur, God forgive him. Le Seigneur l'a pardonné. 40 years later, après 40 ans, God chose him. Le Seigneur l'a choisi. Hallelujah. Amen. He didn't want to go back. Il ne voulait pas repartir. Because what he did. Pour ce qu'il a fait. But 80 years later, 80 ans après, God chose him. Le Seigneur l'a choisi. He's the one that wrote the Ten Commandments. C'est lui qui a construit, écrit les 10 commandements. Hallelujah. Amen. That we have anybody like a 99 years old in this room? Quelqu'un de 99? 99. No. Pas so we're still young. Vous êtes tous des jeunes. Abraham was a 99 year old Abraham when God changed his identity. Il avait 99 quand le Hallelujah. Seigneur a changé son identité. Stop complaining, I'm telling you. De vous plaindre. 99 years old man. 99 ans. Let's say 100. Let's make 100. 100. Disons, ça va arrondi. 100. Abraham. Abraham. God chose him when he was 99 years old. Le Seigneur l'a choisi quand il avait 99 ans. And God told him. Et il lui a dit. I'm changing your name. Il dit, chante ton nom. As Abraham. As Abraham. I want you to be the father. Je veux que tu sois le of père the nation. The nation. And
The hell is already great. Le gars a crié. Alléluia. Amen. God did not stop there. Dieu ne s'est pas arrêté là. He said, Abraham. Il dit Abraham. As your wife. Ma femme aussi. She's no longer calling her Sarah. Elle ne va plus s'appeler Sarah. Her name is Sarah. Son nom désormais est Sarah. The mother. La mère. Of the nation. Des nations. Woo! Alléluia. She was 90 years old too. Elle avait 90 ans. You're not 90 years old yet. 90 ans. Stop complaining. Arrêtez de vous plaindre. Your time will come. Votre temps va arriver. Alléluia. Can amen. I hear amen? Dieu a dit. You want to have a son? Il aura un fils. Will be named Isaac. Il s'appellera Isaac. Abraham fall his head down and laugh. Le gars a courbé sa tête et puis a ri. Laugh, he was laughing to himself. Il riait de lui-même. He said, how come? Il dit mais comment? A man, un homme, of 99 years old, 99 ans, and the wife, et la femme, she's a 90, elle a 90 ans, rebel the child. Comment elle peut avoir un enfant? How come? Comment? Hallelujah. Amen. But you say what? Say yes. Mais quand le Seigneur dit oui, nobody can say no. Personne ne peut dire non. I said, when God said yes, quand le Seigneur dit oui, you want it or not, ou pas, nobody cannot say no. Personne ne peut but dire non. But let me tell you something. Je vais vous dire, Abraham had a son that we call Isaac. Qu'on appelle Isaac. Hallelujah. Hey. Amen. And the meaning name of Isaac is a laugh. Et la signification d'Isaac veut dire rire. Because Isaac. Abraham laughed when God told him that. Parce qu'il a ri quand le Seigneur lui a dit cela. You are not 90 years old yet. Vous n'avez pas 90 ans. But let me tell you something. Laissez-moi vous dire. If I have a woman in this room, il y a une femme ici, that don't have a child, il n'a pas d'enfant, that did not get no birth, give birth to no child yet, il n'a jamais accouché. If a Sarah, que si Sarah can have a child, a eu un enfant, at the age of the 90, à l'âge de 90 ans, in the mighty name, you will give a birth to my child. Seigneur, vous aurez un enfant. Now you are not late yet. Il n'est pas tard. Sarah was 90 years old. Sarah avait 90 ans. Hallelujah. Hey. Amen. And she had a child they call Isaac. Elle a eu un enfant qui s'appelle because Isaac. God prophesied on parce her. Que le Seigneur a prophétisé. Hallelujah. Amen. So don't think that I'm too old. Ne dites pas parce que je suis trop I'm not sure if I will have a child. No, you will have a child. Je suis pas sûr si je peux avoir because un enfant. Because if God can do it for Sarah, parce que si le Seigneur l'a fait and pour he changed Sarah, her name, change son nom, and he changed her identity, et change son identité, and the age of 90, à l'âge de 90 why not you? Et pas toi. I said, why not you? Pourquoi pas toi? Because we are all God's children. Parce que nous sommes tous les enfants I said, we are all God's children. Nous sommes les enfants Alléluia, du Seigneur. Hey. Amen. Alléluia, hey. Amen. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now, brother and sister, chers frères et sœurs, let me tell you the secret why we now moving on. Je dis pourquoi on ne bouge pas, on avance for pas. For all those good news that we just hear right par now. Par toutes ces bonnes nouvelles qu'on entend. Why suffering? Pourquoi on souffre? Hallelujah. Amen. You see, in the beginning, vous savez, au début, when God chose you, quand le Seigneur te choisit, in your mom womb, dans le ventre de maman, he set you apart. Il te met de côté, and et puis, he ordained you. Il t'ordonne. And oui, ricaboché. Listen, et I want to tell you your problem. Why we not having it? What we want? Voilà pourquoi nous n'avons pas ce que nous voulons. Écoutons bien. He sent you in a mission. Donc quand il t'amène à mission, for you to come to serve him. Pour que tu viennes servir. Then when he ordained you, quand il t'ordonne, that no weapon shall prosper against you. Aucune arme ne peut prospérer then contre toi. Then when he make your fingerprint different, quand il a fait tes empreintes différentes, than anybody else's fingerprint in this room. Que pour toute autre personne, that means you are different. Ça veut dire que tu es différent. Amen. Alléluia. Hey. Amen. As a human being, what we forgot is, mais ce que nous oublions, nous les humains, we like to copy from other people. On doit copier après les autres. That's what the problem c'est is. C'est ça notre problème. But we forgot that if your fingerprint don't match
your mother's fingerprint. Nous oublions que si tes empreintes sont pas. And if your fingerprint don't match your daddy's fingerprint, si c'est pas comme pour ton papa, even in your sister and your brother, ta soeur et frère, how therefore, pourquoi? You want to look like somebody? Tu veux leur ressembler? There is no way. C'est impossible. I said there is no way. C'est impossible. Because we are different. Parce que nous sommes différents. And God don't make a copy of human being. So if you don't know who you are, si vous ne savez pas then qui you vous wasting êtes, your time. Vous perdez votre temps. Amen. Hallelujah. Hey. Amen. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire. When God brought you in this earth, quand le Seigneur t'a amené sur cette terre, you did not ask to be here. Tu n'as pas demandé à y être. The one computer that God created, le seul ordinateur que le Seigneur a créé, is our mind. C'est notre cerveau, notre pensée. That's the first computer that God created. C'est le premier ordinateur qu'il a créé. Now in your mind. Maintenant dans ta pensée. If you only put the negative stuff. Si tu mets les choses négatives seulement dans ta tête. Trying to do like other people. Essayant de faire comme d'autres personnes. Trying to bleach yourself because you want to look light. Essayer de te blanchir pour être blanche. Or go do the surgery or plastic surgery to have everything. Des opérations chirurgicales. And not focusing about why God brought you here. Then you confuse in your mind. Alors tu te rends confuse. It's like a computer. C'est comme un ordinateur. When there is too much virus in the computer. Quand il y a des virus dans le computer. The computer becomes slow. L'ordinateur devient lent. Alléluia. Hey. Amen. Alléluia. Hey. Amen. When you put too much virus in your computer. Quand il y a beaucoup de virus dans ton ordinateur. Your computer runs. So, ton computer marche lentement. Do I make myself clear? Est-ce que c'est vrai? That's the same way. C'est la même manière. When you put a negative stuff in your mind. Quand tu mets les choses négatives dans ta pensée. When your mind is confused. Quand ta tête est embrouillée. And your body is dying and slow by slow. Et ton corps meurt lentement. And that's why we start having a high blood pressure. Nous avons les maladies. That's why we have a high cholesterol. Le cholestérol. That's why we have arthritis. Arthritis. That's why we start having a cancer. Why we have le cancer? Because we put too much stuff in our mind. On met beaucoup de choses dans nos pensées. But what the human being forgot is. Mais ce que nous oublions. The mind. La pensée. That's the tool. C'est. That the devil. C'est l'outil que like le diable press on it. Utilise. Hallelujah. Amen. It's like a lion. Comme un lion. In the forest. Dans la forêt. They grab the animal. Il attrape l'animal. By the neck. Par la gorge. And kill them. Et le tue. That's the same way. De la même manière. Therefore, le diable press the button. Utilise le bouton. Of the mind. De l'esprit. Just to destroy your entire body. Pour détruire notre corps. Amen. Alléluia. Alléluia. Hey. Amen. I can't hear you. Amen. You don't hear what I just said. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. I say mind. Pensez. When your mind is not free. Quand ta pensée n'est pas libre, ta tête n'est pas libre. It doesn't matter how many times you fast. Quelle que soit la façon dont tu as jeûné. It's not going to work. Ça va pas marcher. If your mind. Si ta tête, ta pensée not free, n'est pas libre. It doesn't matter how many Bible you study. Quel que soit le nombre de Bibles que tu vas lire. The mind have to be free. La tête doit être libérée. I said the mind have to be free. La tête doit être libérée. So you can receive everything you want. Vous recevez tout ce que vous voulez. And because our mind is not free. C'est parce que notre and that's why sometimes we don't trust ourselves. Voilà pourquoi on se fait pas sometimes confiance. God want to use us, but we are not listening. Que c'est un peu nous utiliser. Because the mind is confused. Parce que la tête est embrouillée. So from now. À part d'aujourd'hui, do not try to copy from no one. Ne copiez personne. Be yourself. Soyez vous-même. Like David. Comme David. He went to keep the sheep. He was a shepherd. He was the shepherd, David. Oh, il était un berger, David. And God chose him from there. Il a choisi. To be a king. Pour être roi. So whatever you are. Quel que soit qui tu es. If God make you dark skin. Si il t'a rendu noir. He know why. Il sait pourquoi. If God make you light skin. Il t'a rendu clair. He know why. Il sait pourquoi. If God want you to be a doctor. Si le Seigneur veut que tu sois he docteur. He know why. Il sait pourquoi. When God want you to be a housekeeper. S'il veut que tu sois servante. He know why. Il sait pourquoi. When God want you to be a teacher. Quand le Seigneur veut que tu sois I say he know why. When God say you cannot have a children. Si le Seigneur tu ne peux pas avoir d'enfants. Il sait pourquoi. Let me tell you Let something. À vous dire. Rikaraboshi.
You see, sometimes. Quelquefois. The house. I know so many people have a, some have a house here. La maison. When you buy a house, quand tu achètes une maison, you are so excited to see that house. Tu es trop excité de voir la maison. But when you enter that house, mais quand tu rentres dans cette maison-là, if the house is not clean, si la maison n'est pas propre, the outside might look beautiful, le dehors peut être beau, but inside will look rotten. Mais dedans est pourri. Yes. Alléluia. Hey. Amen. I said the house. Je dis la maison. Even if it's not a brand new house. Mais c'est pas une, but une when maison, you buy your first house, quand tu achètes ta première maison, you're so excited. Très excité. But on that house, mais dans cette maison-là, if you enter that house, quand tu y rentres, and you make that house like a mess, quand tu salis de cette maison, it's going to be an ugly house. Ça sera vilain. So outside will look good. Dehors sera joli. But the neighborhood don't know what's going on mais inside. Personne ne sait ce qu'il y a dedans. But let me tell you something. Laisse-moi vous dire. When God created you, he created you beautiful. But because on the size of you, you put negative stuff in the size of you. So your body might look good, but you suffer inside. But let me tell you something. I said today, we want to clean that ghost house. I said today, the way God created us, we want to look good like that. I don't want to look good outside and suffer inside because I create my own suffering. Parce que je crée ma propre because souffrance. I want to look like a Leah. Parce que je veux ressembler because à I want to look like a Solange. Je veux ressembler à let Solange. Me tell you something, brothers and sisters. You are wasting your time. You don't know who you are. Tu sais pas qui tu everybody es. Will prosper. Les gens vont prosper. And you want to go back and forth. And you're not going to achieve nothing. Tu ne vas rien réaliser. Chers frères et sœurs. The lesson that I brought here today. La leçon que j'amène ici ce soir. It's just to give us a hope. Pour nous donner l'espoir. Amen. Don't hate yourself. Faut pas te haïr. The reason why we have a different color in this life, let me tell you the secret. Pourquoi nous avons plusieurs couleurs, différentes couleurs sur cette terre? We have white people. On a les blancs. We have yellow people. On a les jaunes. We have black people. On a les noirs. And we have do I say yellow too? Yeah, and we have a dark, dark people. No. And we have a midnight blue dark. Allah. Alleluia. Hey. Amen. Let me tell you why. Je vous dis pourquoi. It's to make the earth beautiful. La terre soit belle. Because if everybody has to be white, ah, si tout le monde doit avoir la the earth bien. Will look pale. La terre sera pale. If everybody has to be black, si tout le monde doit être noir, the earth will look pale. Et sera mieux. So we are like the flower. Nous sommes comme les fleurs. Do you see how the flower have a different color? We are like a bird. Do you know how the bird have a different color? As a human being, we have to be different color so we can make the earth look pure. That's why I like to be dark. Voilà pourquoi j'aime être noir. Alléluia. Alléluia. So we can have so many colors in the earth. Demande au Seigneur. What is my duty? Quel est mon travail? The day you will find your duty. Le jour que tu trouves ton travail. Oh, let me tell you something, brother and sister. Laisse-moi vous dire. It's so good. It tastes good. It feels good. It will make one of you. Nous devons savoir qui nous sommes. Hallelujah. Amen. You don't want to be the guy that say, oh, you know, I say, I talked to my friend today. Tu es pas celui qui a dit, oh, j'ai parlé à mon frère aujourd'hui. My friend. Mon ami plutôt. He changed his job. Mon ami a changé son travail. And me, this job is not paying me anything. Et moi, ce travail ne me paye pas. This job is not paying me anything, and you sit in a life. Ça te paye pas, et puis tu es là. Hallelujah. Amen. I'm going to go put the application down there because I'm tired. Prophétie et délivrance ont constitué la dernière phase de cette soirée pleine d'émotions pour certains, de vœux pour d'autres et de soulagement pour d'autres encore. La prophétesse Nyoleba n'a pas cessé de dire « Si Dieu a pu le faire pour moi, il le fera également pour vous. Il suffit juste de croire. » Thank you.
gauche et à droite, Seigneur, que je reste sur le chemin que tu as tracé pour moi. Le chemin, Seigneur, de la destinée. Le chemin, Seigneur, de la vérité. Alléluia. Enlève le faux qui est en moi, Seigneur, et mets ta vie, Jésus. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Fais-moi vie par ta parole, oh Dieu. Guéri le cœur de beaucoup de gens, il a libéré beaucoup de gens juste par sa parole prophétique et je rends gloire au Seigneur pour cela. Et vraiment, on espère qu'on va organiser de plus en plus ce genre de rencontres, de programmes pour bénir le peuple de Dieu. Voilà, voilà. Alors nous sommes à la fin, on espère que bientôt on va encore vivre ce programme-là. Merci de nous avoir accordé votre temps. Et merci beaucoup. Merci. Que vous soyez toujours en la flamme. Voilà.